Ça arrive sur le live, ça commence déjà à râler parce qu'il n'y a pas de musique de Noël. Non mais vous calmez, oui, ou quoi? C'est quoi cette exigence là? C'est quoi cette, ce comportement capricieux d'abonnés? Oh vache, mes lunettes sont dans un état. Ma gueule. Mais j'ai rien pour les nettoyer là. Et Miguel Anto, modérateur. Ma mère. Catastrophe. Catastrophe, j'aurais dû nettoyer avant. Oh là 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 là, il y a des traces dessus, ils sont... Oh là là, regarde-moi ça, ça je ne supporte pas. On ne met pas de musique pour les voleurs de dentiers. Ouh, bah dis donc, ça tire à balle réelle là. Ouais, tempête aussi, enfin tempête, il y a du vent, de la pluie, tant de merde. Ce matin qu'on est parti au cours, ça allait, et après bah, ça a recommencé, beaucoup de pluie, beaucoup de vent... Vent de fou et pluie. Merci! Merci Julie, zéro pour le Prime. Alors donc, live illimité, c'est pour le 28, comme je vous ai dit. Du coup, c'est pour jeudi prochain. Donc, il n'y aura pas de live la semaine prochaine, hormis ce jeudi-là. Et j'ai sursauté. Tant mieux! Tant mieux! Merci Mag Michou pour le sub. C'est bien, les gens ils utilisent leur sub. Merci! J'ai plus les mots. Hein? J'appelle mon chat. Attends, faut que je prenne un truc pour nettoyer mes lunettes. Oui, j'ai pris une chaussette. C'est une chaussette avec un trou, donc je la mets plus. Mais elle me sert à nettoyer mes lunettes. Bon, nous avons fait les courses de Noël. Mais la chaussette, elle est propre, s'il vous plaît, elle sort de la machine. C'est une chaussette propre, regardez. Tout de suite. Ah, ce matin, ouais, c'était un peu la course, là. Du coup, on a fait les courses. Le père de Laura avait demandé s'il fallait 400 ou 500 balles. Elle lui a dit 300, et puis elle lui dira, de toute façon. D'après vous, pour 11 personnes, apéro, entrée, plat, dessert, pour combien on en a eu? Avec foie gras, saumon... Escargots... Non, les escargots, c'est pas compté dedans, je les avais déjà achetés. Ah oui, les autres escargots, oui. Du pâte à negra... Avec en plat deux rôtis de bœuf Orlof, là, ou je sais pas comment ça s'appelle. De l'alcool pour l'apéro. De l'alcool pour l'apéro. Du porto. Il y a, alors, il y a des gâteaux apéritifs. On fait des tartelettes chorizo, des tartelettes samoré, des toasts foie gras, des toasts saumon. Il y a des escargots, il y a des cheesecake saumon, cheesecake pâte à negra. Des œufs de limpe. De l'ompe. Mignardise. Salé. À quoi? Salé. Oui, salé. Haricots, pommes de terre fondantes, rôti Orlof, plateau fromage, mais des fromages de qualité, pas les fromages. Fruits, raisins, mais des fromages, genre c'est du comté, enfin c'est que de l'AOP et tout ça. C'est moi qui ai choisi, bien évidemment. En dessert, un entremets, chocolat blanc, poire, avec une bûche. Crème au beurre. Voilà. Il y a de l'alcool ou pas dans les prix de course? Alors, il y a du porto, des tourtelles et du porto, c'est ça? Il y a la bière. Du porto. Et c'est ton frère qui ramène le vin. Voilà. Parce que nous, on n'y connaît rien. Donc, d'après vous, combien? 498, 275, 350, 320, 457, 320. Kanye dit, viens sur le live, Lolo.
Allez, en pyjamas. 275, 350, 269, 275, 400, 299,99, 185. On devait prendre en compte qu'il y a 30 balles de foie gras. Déjà, le bloc de foie gras, c'était ouais, 24 ou 25 euros, un truc comme ça. Le pata negra, 15 balles pour, 6, pour 8 tranches. 500 grammes de saumon. Hein ? Plus tous des jus de fruits. Les jus de fruits, coca, Schweppes, jus d'orange, Oasis. 310, 450, 350. Café. Café, oui. Chocolat pâtissé, gélatine pour faire toi, sucre glace, tout ça, tout ça. Vous aviez des réducs ? Ah bah vous pensez bien que Laura elle avait déjà programmé les réducs. Hein. Elle avait déjà regardé toutes les promos. Elle avait mis dans le drive, on a fait une capture d'écran et on me les a donné parce qu'on s'est séparés dans le magasin. On a fait chacun une partie. Nous on aurait eu pour 150 pour 6 personnes sans produits d'exception ni alcool. 500, 299,20. Ma mère en a eu pour 200 euros. Pour le 26 ? Pour le 25, 200 euros. Ah, 25, ouais. Et on est combien ? On est 9. On est 9. Sans la viande. 200 euros sans la viande, et on est 9 le 25, sa mère. Eh ben, je vais vous le dire, on en a eu pour 590 euros, et ça va ou quoi ? 296 euros. Voilà. J'espère, il a... non, elle est dans ma poche, la monnaie. Vous avez géré de ouf. Bah, il y avait une promo sur le saumon. On a récupéré 7 euros sur la carte. Et en plus, on a récupéré 7 euros sur la carte. Donc, il y avait une promo sur les toasts, une promo sur le saumon, une promo sur le foie gras. Enfin, voilà, il y avait plein de promos. Ça va avec les réductions. Bah, du coup, ça fait 289 euros avec les 7 euros sur la carte. En gros, voilà. Laura, je t'embauche, quelqu'un qui dit. Ouais, 290, c'était pas loin. Donc ça va, en vrai. Franchement, ça va. À 4 euros près, t'étais bon. Ouais. Ouais, 296 euros pour 11 personnes. Apéro, entrée, plat, dessert, boisson, alcool, sauf le vin. Ça va. Marine d'Insta t'embauche pour, pour ses prochaines courses. Ça m'aurait étonné si Laura avait dépassé le budget. Moi, j'avais dit 250. Donc, en fait, on a fait l'Inter. On en a eu pour... Toi, tu croyais qu'une bouteille de Porto, c'était 60 euros. Mais je sais pas. Moi, je crois que c'était comme du rhum ou des trucs comme ça, tu vois. Je sais combien ça coûte, le rhum. J'en avais acheté pour la nuit en forêt. Du coup, on est sorti de l'Inter. On en avait déjà pour 170. Quelque chose comme ça. Ensuite, on en a eu pour ouais, 160, je crois. Après, on en a eu pour 80 au Cora. Et ensuite, le reste, c'était la viande chez le Turc. Du coup, les deux rôtis... Bah, les deux rôtis de bœuf, il y a 2 kilos de rôti Orlov. Donc, c'est du bœuf en filet comme ça, avec du fromage dessus, du citron, machin et tout. C'est 2 kilos et en plus, c'est de la viande rump steak. Il m'a demandé quelle viande, je dis la meilleure. Il m'a dit bah, du rump steak. Devinez combien le prix, combien nous a coûté les 2 kilos de bœuf rump steak chez le Turc. Fait maison, enfin en filet. C'est lui qui l'a fait, il l'a filé, machin et tout. Du rhum des Gritas, 7 euros. Je connais pas tout ça. 60 euros, 45, 25, 7 euros 50. Ouais, peut-être pas quand même. 34, 40. Il m'a 36 euros le bœuf. Merci! 36 euros pour 2 kilos. Merci Adélaïde pour le sub. 36 euros pour 2 kilos de rhum steak. Ficelé avec le fromage, les agrumes et tout ça. Ils ont tout préparé.
C'est plus simple de faire soi-même le rôti Orlov. Bah en fait le truc c'est que on a fait bah Laura ça fait 2 ans qu'elle fait de la pintade farcie là. Et le problème bah, c'est que ça prend du temps, il faut souvent remouiller le truc, machin, avec les tranches de chorizo de bacon dessus et tout. C'est vrai que c'était plus chiant. Et ben là du coup c'est vrai que les rôtis tu les mets au four, tu fais en sorte qu'ils soient un peu rosés au milieu et c'est réglé quoi. Non franchement la viande chez le Turc est vraiment vraiment pas chère. Salut Lola. Combien d'heures en cuisine? Bah on commence demain. Pour déjà faire pas mal de trucs à l'avance. Comme ça au moins ça évite de courir dimanche. Le pain, les desserts. Pain, dessert, les garnitures pour les tartelettes. Les cheesecakes, t'as dit peut-être? Non. Non? Ok. 6 heures en cuisine? Oh, avec les gâteaux? Ouais, pas loin, ouais. Oui, mais bon, oui, voilà, il y a les temps de pause. Ouais. Laura va faire des live cuisine. Non, non, comme elle a dit, ça m'étonnerait parce que. On verra comment ça se passe si les gosses sont intenables. Vraiment, je suis honnête, hein, si les gosses ils foutent le bordel, non, parce que c'est pour devoir leur gueuler dessus toute la journée et tout, non. Si ça se passe bien, on verra bien, elle verra bien. Ça va être le speed aussi. Bah, non, en commençant demain, justement, c'est pour éviter d'avoir trop à faire en fait dimanche. Ça va et toi, Lola? Elle est déjà partie, Lola? Non, demain. À l'origine, c'était ce qu'on devait faire, puis finalement, que des jeunes. Ça sera raclette fondue plus simple. Elle va avoir de l'aide? Bah, je vais l'aider. Ah, je vais t'aider, chérie. Bah oui, je vais l'aider. Bah, attendez, quand même. Je ferai la vaisselle. Bah, c'est ce que je fais à chaque fois, hein. Quand tu cuisines derrière, je suis en train de nettoyer au fur et à mesure parce que tu te resserres des trucs. Juste vous deux pour 11 personnes? Bah oui, bon, on a déjà fait pire. Hein. Et on cuisine tous les jours pour 7. On cuisine tous les jours pour 7. Donc au final, on fait soirée galérien en bas. Léo a peur du vent et ça souffle à fond, on entend que ça dans les chambres. Ouais, je comprends. Ouais. Donc voilà, demain commencement. Et je vlog, hein, de toute façon, vous verrez bien. Ça souffle autant que ça? Bah ça souffle pas mal. Hein. Aujourd'hui, ça soufflait fort. Hein. Il y a des barrières devant l'école pour le truc attentat, là. Et les barrières sont couchées tellement ça souffle. Quelques jours de repos de vlog quand les petits seront chez les parents? Non, je continue de vlogger. Je peux pas me permettre de faire une semaine de congé. 999! J'ai mon avocat remboursé. Ça m'arrange parce que j'ai peur aussi. Putain, on entend Libby crier d'ici. Libby, tes frères et sœurs, ils dorment, hein? Calmos.